se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Je filme un autre jour, voilà, c'est la magie. Il y a du montage vidéo, j'ai mis la même robe exprès. Parce que du coup j'ai lu ces deux livres un peu plus tard que les deux livres que je vous ai présentés juste avant et que du coup j'ai rendu à la librairie. Alors, on continue cette vidéo avec Résidence Sarah de Cho Namju. Comme son nom l'indique, pour celles et ceux qui le savent, elle est coréenne, c'est la romancière coréenne la plus connue dans le monde. J'avais lu deux livres d'elle, Kim Ji-young en 1984 et Miss Kim Knows, qui n'a pas encore été traduit en français, que je vous présentais sur le blog très récemment au mois de septembre. Alors il s'agit d'une dystopie. Je vous avoue que je n'ai même pas lu le résumé avant de l'emprunter à la librairie parce que j'adore cette autrice et peu importe ce qu'elle écrit, je me suis dit ça va être bien. Alors, j'ai pas tant aimé que ça, du coup, s'agissant d'une dystopie, ça passe ou ça casse. Personnellement, j'ai moyennement aimé. Si je devais le noter, je pense que je lui mettrais un 4,5 sur 10. Ce n'est pas bien élevé, c'est pas forcément que c'est mal écrit ou quoi, parce que non. Mais je ne sais pas, les dystopies, parfois ça m'intéresse énormément, parfois moins, et là c'était ben, le deuxième cas. Je n'ai jamais lu en plus de dystopie coréenne, donc ça aura eu l'avantage de me faire découvrir cela. En fait, on suit une société qui s'appelle Aya Town, donc c'est une ville fictive qui est très disparate, avec les riches d'un côté mais qu'on ne voit jamais en fait, dont on ne parle jamais durant le récit, et les Aya pauvres qui vivent dans la résidence Saha, sans eau courante, sans électricité, sans chauffage. Les habitants doivent puiser l'eau dans une espèce de puits qui est dans la cour. Donc chacun respecte le truc et ça se passe bien, mais ça reste très précaire, voilà. Et en fait, durant cette lecture, le livre est divisé en plusieurs chapitres suivant plusieurs des résidents en fait de cette résidence Sarah. C'est assez intéressant d'en savoir plus sur eux, d'en savoir plus sur cette société. Il y a une espèce de conseil des ministres qui est constitué de 7 ministres qui régissent un petit peu cette pseudo-ville. Sauf qu'on ne les voit jamais, c'est interdit de rentrer dans la salle, enfin de rentrer à l'endroit où ils président, travaillent et tout ça. L'histoire va tourner autour, il y a de la mort d'une femme qui s'appelle Su, qui est en couple avec un homme qui s'appelle Do-gyang, qui est le frère d'une femme qui s'appelle Jin-gyang, et Do-gyang est accusé du meurtre de cette femme, il disparaît suite à la mort de cette femme. On va en apprendre un peu plus sur leur couple, comment ça se passait et tout. Elle était infirmière. On va en apprendre plus sur Jin-gyang aussi, qui est une femme qui a du coup emménagé dans cette résidence avec son frère au dernier étage, avant qu'il se mette avec Su. On va découvrir plusieurs personnages. On a une femme qui accouchait illégalement, enfin qui avortait illégalement les femmes. C'est interdit, enfin plus ou moins. Il y a Mamie Fleur qui est un petit peu la régente de cette résidence, on va en apprendre plus sur elle également. C'est elle un petit peu qui gardait les enfants, qui s'en occupait pendant que les parents travaillaient dans une agence d'intérim, mais étaient obligés de travailler ben, pour se faire de l'argent, mais étaient réduits aux tâches les plus ingrates quoi. Voilà, voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça. Il n'y a pas forcément que la mort de Su et Do-gyang qui va être accusée et recherchée, mais vraiment l'histoire de chacune, de chacun des habitants. C'était, je sais pas comment dire, mais c'était pas si intéressant que ça. Alors c'est une critique de la société coréenne, oui, ça j'ai trouvé ça intéressant, mais pas autant je trouve que Kim Ji-young né en 1982, qui est un roman un petit peu plus critique je trouve. Mais voilà, c'était une lecture intéressante. Le roman est assez court, il fait 280 pages, pour autant comme ça ne m'a pas transporté, j'ai mis, bon, j'ai mis 5-6 jours hein, à lire, j'ai pas non plus mis 15 jours, mais bon, voilà, j'ai pas non plus été transportée, donc c'était pas la lecture il y a de l'année, mais ça vaut le détour du fait que ça change un peu quoi. Et le dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, le prix Goncourt 2023, voilà. Il fait 580 pages, donc il est deux fois plus épais que le précédent. Je l'ai beaucoup plus aimé que le précédent. Je pense que je lui mets très facilement un 8,5, 9 sur 10. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un des livres de la rentrée littéraire que je souhaitais le plus lire. Bah ça tombe bien, il a eu le prix Goncourt. Du coup, dès que le prix Goncourt a été annoncé, mercredi 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7,
6 novembre, je crois. Je l'ai emprunté directement et je l'ai lu dans la foulée. Voilà, j'ai dû le lire en 5 jours, sachant que dimanche, j'ai eu le temps, j'ai lu 300 pages. C'est vraiment une lecture qui m'a transportée, que j'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi il a été élu. En plus, c'est le livre le plus accessible. Il y a parmi les 4 livres qui étaient en lice, donc c'est très cool parce que, que ce soit un roman accessible, ça ouvre, comment dire, ça attire plus les gens. On ne se sent, il n'y a pas rejeté d'une écriture intellectuelle ou de sujets un petit peu compliqués à appréhender. Du coup, on va suivre Mimo qui s'appelle Michelangelo Vitaliani, qui est français, contrairement à ce que son nom indique. Il va être envoyé chez son oncle dans son atelier dans une petite ville de Pietra d'Alba. Son oncle, qui n'a pas du tout envie que son neveu arrive, mais bon, c'est comme ça. Sa mère se débarrasse un peu de Mimo. Mimo va être dans l'atelier de son oncle pendant des années. Au début, il va être relégué aux tâches les plus ingrates, alors que Mimo a un talent incroyable. Un jour, alors que son oncle est loin, il va sculpter quelque chose et son oncle va admettre qu'il est doué. Il va faire la rencontre de Viola, issue de la famille des Orsini, une famille éminente italienne. Ils ont alors 13 ans en fait et ils vont devenir très proches. Ils vont se faire, Viola les appelle les jumeaux cosmiques, elle et Mimo, parce que soi-disant elles sont nées le même jour, sauf que ce n'est pas vrai. Elle débute une amitié entre eux, Viola lui parle énormément, elle se retrouve souvent la nuit dans un cimetière. Viola rêve de devenir quelqu'un de lettré, d'éduqué, ce qui à l'époque n'est pas le cas de beaucoup de femmes. C'est une enfant qui s'intéresse à énormément de choses, qui retient quasiment tout ce qu'elle lit. Du coup voilà, bon, je viens de baisser la luminosité parce que je ne voyais rien, c'était ridicule. Désolée, je pense que j'aurais réussi grâce au montage à faire moins clair la portion de vidéo précédente. Du coup voilà, ils se retrouvent très souvent la nuit, ils discutent, elle lui prête des livres pour qu'il s'éduque à son tour. Il va se passer tout plein de choses, c'est un livre qui se passe dès 12 ans du jeune homme jusqu'à ce qu'il meure à ses plus de 80 ans, où il deviendra un éminent sculpteur. Voilà, il va rentrer dans la famille des Orsini, il va être accepté, bien qu'il soit pauvre, bien qu'il fasse 1m40, voilà, il est nain en fait, à peu près. Il va être très attaché à Viola, mais Viola va devoir se marier avec un homme, voilà, c'est à l'époque le lot de beaucoup de femmes. Elle va également subir un accident, elle va en fait vouloir voler, et Mimo va l'aider à voler avec une invention. Mais ça va être un échec, donc Mimo va partir, il va aller à Florence, il est dans un cirque où il va se faire embaucher, il va être un petit peu une espèce de clown, un gars qui va endosser plein de costumes tous plus ridicules les uns que les autres. Et ça, ce sont ces années florentines où il va passer des années de débauche et où il va être très malheureux, il va s'enquérir du sort de Viola, si elle est vivante, comment elle va, si elle marche et tout. Son grand frère Francesco, qui va devenir assez proche de Mimo, va le tenir un petit peu informé, ils vont devenir proches eux aussi. Ensuite, Mimo va quitter le cirque pour aller dans un atelier, mais où il va être relégué encore une fois à des trucs nuls comme tailler la pierre mais grossièrement et jamais réaliser d'œuvre, jusqu'à ce que Francesco l'engage pour la famille Orsini, pour réaliser des pièces, des travaux, des choses. Donc là, Mimo va enfin pouvoir briller de son talent, il va devenir très connu, très célèbre, très rare. Son carnet de commandes va commencer à se remplir, il va engager des apprentis pour l'aider. Il a des commandes qui durent des mois, des années, il est très très occupé, la fortune commence. Mais pour autant, il la dilapide dans l'alcool, sa vie n'est pas du tout des plus reluisante et des plus heureuses, parce que il est séparé de Viola, qu'il aime quoi. Elle doit se marier à un homme, elle est forcée d'avoir un enfant alors qu'elle n'y arrive pas. Bref, les années passent, il se revoit, lui il tombe des nues lorsqu'il est au courant qu'elle doit se marier. Voilà, mais il se passe tellement de choses en fait, 580 pages c'est long.
Ça se passe sur il y a tellement de temps. Du coup, la première guerre mondiale s'achève lorsque le récit débute à peu près. Ensuite, c'est la période fasciste. Donc, Viola prévient Yamimo que ce qu'il fait en acceptant des commandes de il y a des fascistes, il n'y en est pas bien. Elle est très engagée politiquement. Il va un peu la suivre sur ce point, mais pas trop parce que lui, il veut rester éloigné de la politique. Et tant qu'il continue à travailler et à se faire, il y a de l'argent pour lui, ça lui va bien. Donc voilà, il n'a pas trop de scrupules, mais voilà, il veut juste un petit peu retrouver, comment dire, comment je pourrais dire, un petit peu se venger, c'est un peu fort, mais il a montré à tous qu'il est capable. Et du coup, ben, s'il faut qu'il travaille avec les fascistes, et ben ainsi soit-il quoi. Donc voilà. Il va se passer trop de trucs, mais il va rester proche de la famille Orsini. Le père va avoir une attaque et il va rester dans un état végétatif très longtemps, complètement il y a des ans, il y a pareil par la mort de son aîné. Voilà, quoi vous dire d'autre? Il se passe trop de trucs, voilà. Mimo réalise des œuvres incroyables, il va avoir un chauffeur, il va vivre entre Rome, où il a son atelier, et Pietra d'Alba, que Francesco a racheté pour lui. Du coup, selon ce qu'il se passe dans sa vie, selon ses envies, il partage son temps entre ces deux lieux. Bah, la guerre commence aussi, donc il va se passer pas mal de choses. Pietra d'Alba va subir un séisme. Enfin bref, il va se passer tout plein de choses. Il va même faire la connaissance plusieurs fois du mari de Viola, qu'il déteste, qui est un homme qui rend fou les caisses de la famille Orsini et qui aide à ce que la villa soit... est belle et tout, mais c'est pas un homme bon. Donc voilà, c'est un petit peu cette épopée sur ces deux personnages qui sont très liés, attachés l'un à l'autre. Une très belle histoire de sculpture, il y a d'amour, de l'art sur fond de fascisme et de guerre. Une espèce d'épopée de vie, un récit de vie, une amitié plus entre deux personnes. Ça évoque plein de sujets, l'histoire est vraiment très belle. Ouais, ça change vraiment de ce que j'ai pu lire habituellement. Donc voilà, je vous recommande vivement la lecture de ce roman. Je vais m'arrêter là, sinon je vais trop vous spoiler et la vidéo va être trop longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle. Bye !